Et bonjour tout le monde, c'est Revampé et bienvenue sur The Curious Expedition. On va partir soit dans le froid arctique, soit dans l'ancien désert. Dans l'ancien désert, puisqu'il y a un portail dimensionnel magique. Donc, Sir Machin est revenu au port et il attendait sa bien-aimée. Il était fou de joie quand il l'a aperçu. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre dans une étreinte amoureuse. Le couple m'a remercié pour les avoir réunis avant de disparaître dans la foule. Plus 80 de pognon. On doit tuer Snarfartle. Pourquoi pas. Allons tuer Snarfartle. Astérix, Titaboulos ou Shaman. Ouais, Astérix parce que je dois tuer un truc. Achetons de l'équipement. Je suis dans quoi? Je suis dans la jungle ou dans le désert? Je sais plus. Déjà, on va prendre 3 trous de secours. 1, 2, 3. Ça, c'est essentiel. Je peux prendre 2 de ma 3, 4, 5. Ça, c'est essentiel aussi. 4, 5, tiens, tant qu'on y est. Y a pas d'armes, c'est un peu gênant. Dans ça, on le prend, c'est toujours utile. Prends-les aussi. Ça, je m'en fous. Ouais, c'est pas mal. Je peux en prendre une. 1, 2, 3, 4. Voilà, parfait. Faire affaire. Appareil. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que bon, les grappins, ça sert pour les collines, les montagnes et le merdier. Le whisky, ben, santé mentale. Si on perd la santé mentale, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, il peut arriver des couilles, hein, mais des crasses assez violentes, on va dire. Accédant à la soute du navire, puisque ça, je vais pas en avoir spécialement besoin. Ravitaillons-nous en eau, mais bien. 3, ça devrait suffire. Débutons l'expédition, puisque là, on est dans un désert, et comme vous le voyez, ça consomme de la flotte très vite. Et donc les torches vont nous servir justement pour les grottes comme celle-ci. Explorons la grotte. Bien sûr, utilisant une torche comme ça, il nous arrivera moins de merdier. Nous avons allumé une torche et nous avons pénétré à l'intérieur. Donc on a Bipsy, on a Astérix. Nous sommes arrivés dans une trotte ouverture, dans l'une des pas menées à une autre partie de la grotte. On a Astérix parce qu'il est nouveau. Et j'ai bien fait, Astérix est mort. J'ai envoyé Astérix à explorer cette ouverture. Non, quittons la grotte. Ce n'est pas grave, j'ai juste perdu Astérix, tout va bien. Ah, et l'œuf, tu veux bien grandir, s'il te plaît, tu m'arrangerais en fait. Apparemment, il a décidé de que j'aille me faire foutre. Donc, une caravane marchande avait établi son campement ici. Le pittoresque commerçant avait beaucoup de marchandises à nous offrir qui avaient sans doute été utilisées par un précédent expédition. Faire du troc. Ah, ça c'est hyper utile. On s'en fout. Ça va être utile aussi. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, lui il veut absolument rien. On s'en fout comme pas permis. Est-ce que ce serait pas mal comme ça? Ça coûte combien? Ça coûte 20? Allez, prenons ça aussi. Ce serait mieux comme ça. Faire affaire. Le commerçant semblait dans l'expédition, comme si nous reviendrons comme... Et il se demandait si un jour nous reviendrons comme d'autres clients, dépouillés et prêts à attaquer son camp en représailles. 3 emplacements en trop. Ah, c'est risqué. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je vais surcharger, ouais. Putain, mais il veut pas grandir ce con de truc là. Allez. Voilà, ça y est. Ajouter le bébé raptor au groupe. Partir. Voilà. Ça coûte cher. Ouais, je suis bien en réputation, donc entrons dans le village tout de suite. Nous sommes entrés dans un campement d'une tribu nomade. Ouais, donc c'est un culte religieux, ok. En entrant dans le village, nous avons constaté que tous les villageois dansaient et chantaient autour d'une mystérieuse idole. Continuez. Pour voler l'idole, il faut des vers, je n'en ai pas un seul. Une idole de pierre de grande valeur se dressait fièrement au centre du village. Les villageois nous observaient avec un air intrigué. Ils furent accueillants et ils ont offert de nous aider dans la limite de leurs moyens. J'ai compris leur langage et j'ai pu communiquer avec eux. Tout va bien. Troquant des trucs, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Moi, j'ai des trésors pas loin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, ils veulent rien en fait de ce que j'ai. Les balles, ils s'en foutent. Le détecteur de trésor, il s'en carre comme c'est pas permis. Ça, c'est bien pour le troc.
6, pourquoi pas, et on va rajouter ça. Non, ça fait chier ça. C'est pas mal. Reposons-nous un peu ici, nous avons... Quoi. Déchargé nos affaires et nous sommes préparés à passer la nuit avec les indigènes autour du feu de camp. On a passé une agréable soirée en compagnie des indigènes, plus tard dans la soirée. Bipsy est venu me solliciter... putain, j'arrive plus à parler aujourd'hui, ça commence à être dur. Me solliciter avec une requête. Il était tombé amoureux d'une villageoise et il désirait quitter l'expédition et rester avec sa bien-aimée. Ah, non, désolé, il faut que tu portes des trucs. Non, en dormant. Même si ça faisait beaucoup de peine, nous ne pouvions pas nous permettre de perdre un membre de l'expédition. Non, il faut qu'il porte des trucs. J'ai dû insister pour qu'il reste avec nous. Il fut évidemment très déçu de ma décision, mais j'étais persuadé qu'il oublierait vite cette amourette avec toutes les aventures qui nous attendaient. Dormant. Troquant des trucs. Est-ce que j'ai pas une colifichet indigène? Voilà, faisons l'affaire. Quittons la zone. On emballe les affaires et on se casse. Toi. Voilà. Voilà, loyauté augmentée, sinon il se serait barré avec du merdier. J'ai approché Bipsy, je lui ai donné un bibelot, puis nous sommes embrassés. Je lui ai également dit à quel point sa présence était importante pour moi, etc. etc. Tout va bien. 25, ouais, ça passe. Ah, Snarfartel, ah, Snarfartel, non, top. Mais est-ce que j'ai des dés de combat? J'en ai un, ok, c'est pas la merde. Bon, remontons un peu, on redescendra sur Snarfartle par la suite. Ah, le portail dimensionnel, vite, allons-y. Oui, je passe un peu les dialogues parce qu'on les a eu aussi dans le premier. Commençons, bah, je vais déjà... montons. Attaquons l'oiseau géant. T'as combien de vie, saloperie? 18. Oula. Combien de dés? Oh putain, 3D, je vais mourir. Ok, je suis pas dans la merde. Et merde. Aïe. Waouh, ça fait mal. Soignons-nous un peu, voilà. Parfait. Et merde, je ne me suis pas soigné d'abord. Bon bah tant pis, hein. Tant pis pour la répute. Prenons tout, soignons tout le monde, soignons Bipsy, soignons Mr. Jackson, et quittons la zone. Deux emplacements en trop, donc là j'en ai un peu dégagé. 1, 2, 3, avant que ça pourrisse, et c'est parfait. Et avançons. Tiens, heureusement que j'ai pris celui-là, parce que sinon j'étais pas dans la merde. Un temple depuis longtemps oublié par l'humanité se dressait devant nous, baigné dans une douce lumière. Cette construction était un témoignage de la puissance de ceux qui avaient l'avaient érigé. Un cercle de sang desséché avait été tracé tout autour de la structure, comme un avertissement pour quiconque oserait entrer. De l'eau dans le sol, donc on va juste se placer un petit peu mieux, donc on va juste se placer derrière. Le plus simple, ce serait de faire ça et ça. Combien de jours il nous reste ici? 8 jours. Si je fais ça et que je viens là, ça me prend combien de temps? 10 jours. Et si je fais ça... Ça... Ah non. Voilà, arrête là. 9 jours. Bon, ben, je l'aurai pas, explorons juste le sanctuaire, entrons dans la pyramide, examinons l'hôtel, prenons tout et cassons-nous. 1, 2. Merde. Ça va être complexe. Ça va être. Un emplacement en trop. Mais on va dégager un peu d'eau. Hein. Sinon, je suis pas dans la merde. Avançons. Nouveau lieu découvert. Il me reste combien de jours? 3 jours. Chier.
Ah, j'ai pris cher. Parfait. Dégâts perforants, soin, puissante griffe et puissante griffe. Allez, bouffe. Voyons les objets. Prenons tout. Deux emplacements en trop. La viande et bah, la peau, ça dégage. Et on bouge. Ma vue était floue, je me suis frotté les yeux. Lorsque j'ai levé mon regard, je me suis rendu compte que j'étais de retour là où j'étais rentré. Hop, oula, oulala. Ouais, bah soignons-nous, hein. Soignons-nous. Ça va commencer à être compliqué. Ouh, c'est passé juste. Non, on va troquer du merdier. Et merde, ça va être compliqué là. Ils ont rien pour que je puisse avancer. Combien ils ont en réputation 1, parfait. Reposons-nous ici. À la nuit tombée, les indigènes ont allumé un grand feu. Ils nous ont invités à se joindre à eux. Une femme est entrée dans le village, puis rentrée fort. Apparemment, un jeune enfant était mort. Tout le village était en deuil. Les rites ont duré toute la nuit. Grand confort, à l'abri de tout danger. Le lendemain matin, j'étais réveillé par les bruits du village en pleine effervescence. Notre présence prolongée étant bien perçue par les indigènes, ils sont restés courtois et je nous ont proposé toute l'aide. Un petit garçon était en train de déposer des plantes au pied du village. Reposons-nous encore un peu. Non, tu me fais chier maintenant, Maurice. Dormons. Troquons un truc. Tiens, donne-moi ça. Tiens. Dedans. Faisons en faire. Reposons-nous encore un peu. Je n'ai pas. À la nuit tombée, les indigènes ont allumé un grand feu et je n'arrivais pas à croire mes yeux. J'ai découvert Astérix ligoté à un arbre à l'arrière du village. Apparemment, il aurait essayé de voler une lance pour le faire libérer. Je vais devoir en faire. Ok. Bah oui, payer. Faire du troc. Oula. Ah ouais, c'est cher. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il aura fourrave ce con? Ah tiens, j'ai un truc qui vient de monter sur mon micro. Désolé. J'avais un insecte sur le micro. Bah ouais, faire affaire. Dormant. Et quittons la zone. Putain, c'est rentable. Oh, c'est rentable. Là, pour le coup, cette sortie était très rentable. Parfait. Examinons le tombeau. J'imagine qu'il va y avoir... une momie, voilà. Roland. 1, 2, ça on va le garder. Ok. Coup perforant. Empoisonné. Coup de griffe. Pas du tout. Parfait. Un petit coup de roll. Rolly Roland. Parfait. Commençons par nous soigner. Ah parfait, et prenons la momie avec nous. Non, toi. J'ai pas envie que tu te barres avec mon merdier. T'en es où? A4, parfait. Astérix, tiens. Voilà, parfait. Avançons un petit peu. Oh, putain, il faut que je retourne voir Snarfartle, ça me fait chier. Passons par là et après on remontera sur Snarfartle. Ah, ça doit être la pyramide. Mais je suis tellement en avance que... Ah non, elle doit être plus par là en fait. Je sais pas où aller. Explorons le truc. Tiens, fouillons un campement. Voyons les objets. Prenons tout. Avec des animaux sauvages. Attaquons les hyènes. Poutre-moi tout ça. Allez, hop. Une, c'est fait. Je crois qu'il y a un truc. Non, c'est juste un coup de boule. Coup de boule. Ouais, voilà, hop, ça c'est fait. Fin du tour. Voilà, prenons tout. Trois emplacements en trop, donc. 1, 2 et 3. Remontons sur Snarflarteux. D'ailleurs, il n'y en a pas une qui est blessée, là, que je le soigne.
Merde, non. Ah, si. Avant que la paix s'infecte et que ce soit la merde totale et absolue. Non mais... Attaquons Snarfartle. 1, 2, parfait, 3, parfait. C'est pas mal, donc commençons par un coup perforant sur... J'hésite. Snarfartle, je pense. Allez, ça va faire mal, ça. Ouf. Allez, toi tu meurs. Toi tu meurs. Soin 3, parfait. Toi tu meurs. Et merde. Fin du tour, et il meurt, parfait. Prenons tout. Le village est hyper loin. Hyper dangereux ce que je fais là. Faut que je jette ça. J'ai combien? Deux emplacements en trop. On va jeter la viande et on va jeter les cordes. Ça, c'est un cimetière, donc je m'en fous. Ah, je peux me reposer. Un oasis. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un mode qui redesigne tout, c'est super sympa. Reposons-nous pour la nuit. Se séparer, nous avons décidé, hein, la santé mentale de Bipsy s'est détériorée, il souffre de cauchemars et pose des hurlements dans son sommeil. Se séparer. Parfait. J'ai fait quoi? Comme je n'arrivais pas à dormir, je lui ai demandé de s'installer un peu à l'écart de notre... Ah merde. Sa mise à l'écart a atténué un peu les 1, nous avons finalement pu avoir des nuits plus tranquilles. Il arrive quand même quelques crasses. Hein. Ravitaillons-nous un petit peu et reposons-nous encore un peu pour la nuit. Dans les yeux du village que j'étais dans la montagne, j'en étais convaincu que c'est mon visage que j'ai vu sur la montagne qui avait taillé cette énorme monstruosité quand c'est quand même assez mobile. Voilà, comme ça on va pouvoir bouger. Quittons la zone, je jette un peu de flotte et on va se rapprocher. Ouais, on va sérieusement penser à se rapprocher de cet endroit à la con. Le crabe partout. C'est un scorpion, ça va être coton. Non, je vais devoir me friter avec. Combien de villes a le machin? 12. Bon, ça va. C'est pas la plus grosse. On peut faire mieux, on va garder ça. On va en garder une, au cas où. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Attaque perforante. Ah ben déjà. Prenons tout. Et on y va. Après, hein, ça nous a fait mystérieux, il resterait. Donc 120 pyramides d'or, bonus de mouvement de 50 et bonus premier de 100. C'est cool. Quel spectacle. Oui, je suis sur un raptor. Je vous remercie. Donc soit on peut porter plus de trucs, soit on réduit le coût des collines, santé maximale plus 20. Coût de base de déplacement, ça c'est cool ça. Ah ouais, ça c'est ultra fumé. Donc tous les déplacements en fait vont demander un minimum de santé mentale. Et là, grâce à ça, j'ai 25% à moins, donc je suis tranquille. Bon, ce qui fait que je suis large devant. Donc ça on garde, ça on garde. Ça on peut vendre. Ça on garde, on troquera dans un village. Donnant. Vendant, donnant, gardant. Ça c'est la peau de Snarfartle, on la garde. Et ça on peut le donner. Continuons. Et donc prochain épisode. Donc les gens, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Revanche 1000, allez bye bye.